Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans la série des présidents de la République française, Félix Faure. Félix Faure est né le 30 janvier 1841. Il est député, puis ministre des colonies et de la marine entre 1892 et 1894. À la suite de la démission de Jean-Casimir Perier, il devient président de la République en janvier 1895. Son mandat est marqué par l'affaire Dreyfus, qui soulève les passions de l'opinion publique entre 1896 et 1899. À cette occasion, Émile Zola publie le célèbre J'accuse. La France intègre Madagascar et la Tunisie à son empire colonial. Félix Faure disparaît brutalement à mi-mandat d'une hémorragie cérébrale en 1899. À bientôt, les amis.